Yo les amis, on est au château sur Fallout 4 et donc on part les amis pour la défense enfin du château avec la milice. Et il commence pile à pleuvoir au moment où je parle, donc c'est magnifique. Il est temps de envoyer la sauce et d'envoyer cette offensive. Donc il y a beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde. Il y a des brèches malheureusement dans notre château. On a fait un appel aux volontaires. On manque pas de bras. On verra ce que ces bleus donnent en combat. Je suis confiant au sujet de défense. Mais ça peut pas faire de mal d'en faire le tour pour colmater les brèches. Et voilà, donc faut parler à Ronnie et c'est parti. Défendez le château, on a 0%. Donc va falloir, les amis, se servir de nos ressources à bon escient. Et on va donc avoir le privilège de voir nos tourelles à l'action. Ça va être très beau, je le sens. Je les vois, ils sont là-bas. Mais ils ont l'air d'être déstabilisés par le vertiptère de la confrérie. Oui, ils font feu dessus. Regardez le nombre de lasers. Oh putain, les amis, le nombre de synthétiques qui arrivent. Oh nom de Dieu, putain. Oh là là. Bon, attendez, j'ai encore des balises fumigènes pour pouvoir appeler à tirer à l'artillerie. Mais je sais pas si c'est celle-là. On va bien voir. En tout cas, je vais déjà demander de faire feu ici. Voilà, c'est parti. Je leur demande de faire feu ici. Et ils progressent, donc ça, c'est pile poil. Pile poil ce qu'il faut. Ils sont là, ils arrivent. Hop là, j'en ai déjà eu un. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Oh putain! Ils ont foutu HS une de mes tourelles. Les autres font feu. Ouh lolo. Il y a du synthétique en grande quantité les amis. Et je crois pas que ce soit ces balises fumigènes là. Ah, c'est les grenades fumigènes d'artillerie. Voilà. On va demander. Hop, c'est parti. Toi, tu crèves. Allez, c'est parti. J'ai mis une autre. Les deux balises sont activées. Je sais pas c'est quoi. C'est peut-être les balises de la confrérie de l'acier. Je sais plus trop. Bref, allez, on continue. On explose. Raté. Donc voilà, regardez mes hommes qui sont normalement aux unités. Et ça tourne tout seul en fait. Regardez, il n'y a personne, ça tourne tout seul. C'est en train de rotationner, si je puis dire. C'est bon, mort. Ah, mais ils sont là. Ok, c'est la balise pour les amis, nos amis de la confrérie. Donc c'est parfait. C'est parfait. Ouais, et le bombardement qui commence. Il y en a encore, hein. Ouais, c'est un vertiptère de la confrérie, les amis, qui vient en aide. C'est vraiment magnifique. Ce serait cool qu'ils débarquent pour nous aider. Mais malheureusement, je crois pas qu'ils vont le faire. Où est-ce qu'ils sont? Ouais, le bombardement de ce côté-là, ça va y aller. Ouh. C'est violent. C'est très violent, je fais des dégâts, je sais même pas qui. Si calme. Allez. Ah si, il y en a encore. Bonjour. Ah mais c'est un habitant. Pourquoi ils sont méchants? Vous savez quoi, je m'en fous hein, personnellement, mais... Ah, c'est pas exclu que ce soit à cause de tirs amis ou alors à cause des tirs alliés. À cause des tirs... à l'artillerie. Allez hop là. Ça c'est fait. Je vais juste prendre du radaway parce que là niveau radiation j'ai légèrement cher. Voilà, je vais manger un petit peu vite fait. Comme ça on sera un petit peu mieux. Oh putain, ils arrivent en quantité de ce côté-ci. Oulolololololo. Hop là, touché. Allez, il faut que je le bute celui-là. Les bombardements de l'autre côté continuent. Allez. Il y a quelqu'un. Putain, ces synthétiques sont hyper résistants. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais combattu des si badass. Synthétiques patrouilleurs, c'est des vraies saloperies. Allez, toi tu crèves. Là, ils commencent à entrer dans le château, ces salopards.
Allez, salut toi. Toi tu dégages aussi. Putain, ils ont des putains d'armes, hein. Je vais essayer d'en ramasser une. Putain, il y en a qui ont même plus de bras qui restent au combat, les gars. C'est incroyable. Allez, toi tu crèves. Patrouilleur légendaire, il a plus de bras. C'est what the fuck. Ah là, tu crèves. Hop là, toi aussi. Il est où le patrouilleur légendaire là? Je vais vite essayer de ramasser une arme. Cellule, cartouche, voilà le fusil de l'institut. Hop, je vais contourner de l'autre côté ici, on va attaquer. Putain, j'ai raté, j'hallucine. Hop là. Je sais pas combien de pourcents on est. On a 40%, ok. Hop là. Ça tu crèves. Voilà. On prend les cellules à fusion. Je crois que c'est les munitions aussi pour notre arme. Hop. Si je sais faire tout au mousquet laser, les amis, c'est tant mieux. Hein. Ouais, les chasseurs, par contre, ceux-là sont très chiants. Ils se soignent en plus, hein, ces salopards. Allez, mais pas assez vite, en tout cas, pour résister. Ah, mon mousquet. Putain, il y a des, les corps des habitants qui tombent, c'est fou. Allez, Kate. Merci. Ça va mieux, merci. On va enfin s'amuser. Allez, ma petite Kate. Vraiment, il faut le maximum de gens pour lutter contre ces trous du cul. Allez, on continue. Touché. Canigou qui est sur le coup. C'est bien joué, ça, nickel. Hop, un en moins. Ils ont niqué mes cultures, ces enfoirés. Il y en a encore là-bas, par hasard. Oh oui, il y en a encore. Voilà. Toi, tu prends ça. Ok, il y a un chasseur invisible. Ça, ça va être chiant. Raté. Raté ? What the fuck ? Hop là, on a 60% les amis. 60%. Putain, mais à chaque fois c'est à deux doigts que je le rate, c'est vraiment frustrant. Hop, toi tu crèves. Ah, on le voit. Tiens. Merde, on le voit plus. Je te vois. Allez. Il s'est pris un steampack, salopard. Allez, ma parole, s'il en prend encore un, sincèrement, je pète un câble. Là, on va le finir, là. Il est où? Oui. Allez. Salut, mon vieux. On est à 70%. C'est bien, ça. Ça avance, ça avance, ça avance. Il y a encore un paquet d'ennemis dans le château, apparemment. Putain, toutes nos tourelles sont HS, hein. Toutes nos tourelles sont HS. Oh, il est où, il est où, il est où les mecs, il est où? Ok. Putain. Hardcore, hein. Nos habitants sont en train de tomber comme des mouches. Allez, one shot. Salut. À la tête. Allez, toi aussi. Ok, j'ai plus de cellules à fusion. Je vais vite manger un petit bout. Et on va enchaîner. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais prendre mes cocktails, ça ouais. Arsenic. Ah, il y a le pic. Minigun. Allez. Je crois que ça va être la minigun, les gars. Il est où? Hein. Ok, on a 80%. 80%. Mais putain, ce qu'il y en a. Allez, crève. C'est bon. Toi aussi crève. C'est bon. On a 90%. C'est bon, on y est bientôt. On y est presque. Ok, le chasseur ici. Je recharge. Suce ça, chasseur.
Merde, je l'ai balancé sur un habitant. Bon, l'habitant va mourir. Non, même pas. Ah, il est mort. J'ai reçu de l'XP. L'autre aussi est mort. Putain, il y a un chasseur ici, là. Là, 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 là. Je sais pas où il est. Je vais monter. Ah, il est là. Crève, sale enfoiré. Faut pas qu'il se prenne de Steam Pack. C'est bon, il est mort. Pardon, mais passez pas devant quand je tire, bande d'handicapés. C'est incroyable. Quoi, y'en a un ici? Non, putain, y'en a carrément un qui s'est perché, quoi. Nickel, mort. Allez. C'est bon, 100%, on y est. Mais il en reste. Ils nous ont donné des pilars d'ordre. Mais je savais que les miliciens seraient. Le choix du nucléaire. Ah, mais il attaque plus du coup. Ouais, du coup, évidemment, les missions avec la confrérie sont donc terminées. Je vais pas m'en sortir. Ils sont en train de le finir là. Bon, attendez, 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 je vais essayer de me le faire. Longue vue, hop. Dommage. Bon, attention. Dommage. Allez. Oui, touché. Je vais me le faire, je vais me le faire. Non. Raté. Bon, dommage. Ah, les habitants qui sont encore hostiles là. Je sais pas comment ça se fait, à mon avis c'est à cause de la bataille. À un moment j'ai dû faire des tirs alliés. Du coup bah j'ai pas d'autre choix que de les tuer. C'est triste mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et ils sont nombreux. Et je vais juste me soigner parce que sinon je suis dans la merde. Donc en tout cas, hop, voilà. Bon, s'il faut que je bute tous mes habitants, les gars, ça va pas le faire. Hein. Bon, on va aller parler à Ronnie pour finir la mission. Salut Ronnie. Après ça, l'Institut y réfléchira à deux fois avant de s'en reprendre aux miliciens. Tu parles. Il paraît que vous cherchez le moyen de riposter contre ces salopards. J'espère que vous le trouverez bientôt. J'aimerais bien avoir une deuxième chance. En inversant héros, cette fois-ci. T'as entendu quelque je chose? Je crois que Preston, si je il a peut-être une bonne nouvelle. Ouais, on va devoir aller parler à Preston. Apparemment, on va falloir mettre fin nous-mêmes avec la milice à l'Institut. Putain, il y en a encore combien des habitants à buter? Non, mais venez tout de suite tous, hein, les amis, comme ça sera plus simple. Voilà. Je crois que c'est bon, ils sont calmés. Bon, oui, je sais pas, donc faites gaffe aux tirs amis parce que vraiment là, les habitants peuvent se retourner contre vous très rapidement. Donc voilà, les amis, c'est tout pour la défense du château. En tout cas, va falloir aller parler à Preston, vite fait. Je vais vite aller lui causer. Ça a été une bataille éprouvante, en tout cas. Voilà, Dundance. Alors? Le moment est venu de lancer une contre-attaque sur l'Institut. Ouais, va falloir contre-attaquer. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Sturges a trouvé le moyen d'entrer dans l'Institut. On pourra lancer l'assaut dès que vous le déciderez. Ok, bah les amis, on va... Incrédule. J'ai du mal à croire qu'ils aient laissé un autre point d'accès. Même l'Institut ne peut pas vivre totalement en autarcie. Il a analysé les données que vous avez rapportées. Il s'avère qu'elles contenaient des cartes de leur complexe souterrain entier. Il a découvert de vieux tunnels qui mènent encore à la surface. Sans doute pour refroidir leur réacteur. Vous devriez pouvoir entrer par là et prendre le contrôle de leur téléporteur. Puis vous en servir pour amener le reste de nos troupes. On se fera un passage jusqu'au réacteur, on pose une charge explosive dessus et on fiche le camp à toute vitesse. Ok, très bien. Paraît bien. Je vais demander des précisions à Sturges. On attendra que vous nous téléportiez à l'intérieur de l'Institut. Ok,
Carrément. Donc les amis, on va devoir une nouvelle fois faire péter le réacteur. Donc il y a beaucoup de cadavres, dont la moitié, c'est souvent trois quarts, c'est moins, puisqu'il y a beaucoup, d'habitants qui ont péri dans la bataille et beaucoup de synthétiques qui sont morts. Vraiment, il y a le sang, du sang partout. Ça a été une putain de bataille, vraiment très 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 cool à jouer. Donc là, vraiment, c'est nickel. Et maintenant, les amis, va falloir mettre fin à l'institut avec la milice. Donc c'est la troisième fin possible. Donc il y a l'institut, la confrérie et la milice. Donc on va maintenant faire la milice au prochain épisode, ou peut-être celui d'après, je sais pas trop, on verra bien. Donc en tout cas, voilà tout pour la défense du château. Donc merci d'avoir regardé ce gameplay, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et également commenter si vous avez envie. Donc merci et à la prochaine, ciao.